Yo les footeux, c'est Nolan Foot, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle Minute Nolan. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que Lille a gagné contre l'OGC Nice 3 buts à 1. Donc on va commencer sans plus tarder. C'est parti! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je dis que les buts et les cartons rouges à propos du match du LOSC. Donc Lemina fait une remise sur Boudaoui qui centre vers Kluivert qui frappe en reprise de volée et c'est le but pour le GC Nice. À la 32e minute de jeu, le GC Nice mène 1-0 grâce à Justin Kluivert. Voilà, c'est comme ça. À ce moment-là du match, je me suis dit, bon, on va encore perdre. Mais bon. Ensuite, il n'y a plus d'occasion avant la mi-temps. Excusez-moi. Il n'y a pas eu d'occasion avant la mi-temps, ensuite ça a été la mi-temps. Mais je ne compte pas la mi-temps, donc ça fait 21 minutes plus tard, Angel Gomez qui récupère, qui fait une transversale vers Weah. Weah qui accélère, il entre dans la surface, il fait une passe à David. David qui frappe et c'est le but pour le LOSC. Voilà, David Romain marque pour le LOSC à la 53e minute de jeu. Le LOSC égalise contre l'OGC Nice. Ensuite, c'est à la 62e minute de jeu. C'est 9 minutes plus tard. C'est Celik qui arrive. Il frappe, mais c'est l'arrêt de Walter Benitez. Et là, il y a David qui la reprend et c'est le but pour le LOSC. Le LOSC mène 2 buts à 1 contre l'OGC Nice à la 62e minute de jeu. Donc, ensuite, donc on arrive déjà à la dernière action du match. Donc ce qui veut dire bientôt la fin de la vidéo. Donc ensuite c'est à la 96e minute de jeu. Donc Liadji qui fait une petite louche vers Weah. Weah qui file au but, qui dribble Walter Benitez et qui marque. Ouais, le LOSC s'impose 3 buts à 1 contre l'OGC Nice. Voilà, là j'ai vu un LOSC que j'ai aimé voir jouer. En première mi-temps, j'ai vu le LOSC de toute la saison. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vu le LOSC de la saison dernière. Et là, j'étais content de voir le LOSC jouer. Voilà. Donc pour un homme du match, je vais mettre Jonathan David, homme du match. Voilà. Et donc voilà les gens, c'est tout pour 7 minutes Nolan. Si 7 minutes Nolan vous a plu, likez-la, partagez-la, commentez-la, bref, faites ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous dis ciao les potos.